Si c'est la dernière fois que je les vois encore, ça va être la fin pour eux. Parce qu'à chaque fois, je leur disais d'arrêter de encore me voir cette fois. Puisqu'ils sont sortis du frigo. Ce n'est pas le temps de vous laisser tomber comme ça. Mais la plus belle aventure, c'est que je vais les attraper. On peut partir, d'accord, mais seulement il y a des gardes qui seront là et qui vont nous avoir. Ouais, parce que ils sont vite. Bon, oui, il faudra sortir vite de la prison, et comme ça serait pas facile, ça serait pas difficile, ça serait normal. Oui, mais si on met en mode normal, ça va pas marcher. T'inquiète, ça va marcher, mais il y a plein de gardes ici, il faut faire très attention. Et comment tu veux qu'on gagne? Ce n'est pas le jour de notre évasion, parce qu'on n'arrive pas à sortir. Ben, désolé pour tout ce que j'ai dit. On s'en sort et on sait comment sortir de la prison. Et comme ça, on pourra sortir de l'Allemagne. Bon, d'accord. Allez, go! C'est parti, tu veux dire? Oui. Hop. Je dois en amener un. Au frigo. Il s'est échappé de la prison. Tu veux dire moi? Oui. Mais j'étais gentil, je suis pas sorti de la prison. It's a long way. Ah oui, c'est vrai. Bon, ce que je te dis, je ne veux pas aller au frigo. Frigo. D'accord, je vais aller au frigo. Voilà. Je ne sais pas où je dois tirer. Sonic. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Trop énervant. Maintenant, je ne peux plus jamais sortir de la prison. Faut que je tire sur quoi? Quel garde? Ou peut-être... on peut se calmer. Ouais, on va essayer. Mais avant, il faut... continuez. C'est quoi le plan? Attends.
Ça doit être dans la baraque 7, mais lequel je vais choisir alors, si c'est pas le bon. Il faut vite que j'en fasse un, et il faut que je fasse une baraque où les prisonniers pourraient être à bord. 250, on peut pas en faire, c'est trop ça. Il faut que j'en fasse un autre. Comme ça va bien marcher. Bon, il faut que je récupère tout de suite mon uniforme allemand. Mais je sais pas où il est. Je l'ai posé. Oh mais sérieux là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, étrangler un garde. C'est ça. Bon, je vais y aller. Waouh, il était super ce film. C'était écrit la fin. Waouh, j'adore le film de Évasion difficile. Pourquoi ça s'appelle Évasion difficile? Parce que là, on est dans une évasion. Moi, je suis un garde. Bah, c'est n'importe quoi ça. Bon, je vais essayer d'appeler quelqu'un sur ce téléphone. Allô? Oui. Vous êtes qui? Vous m'avez appelé pourtant? Ben, pourquoi toi tu me parles? Moi tu voulais m'appeler? Salut, je suis un prisonnier. Moi je suis un garde, hein, je savais. Les mains en l'air. Pourquoi tu me dis les mains en l'air dans le téléphone? Moi, je vais venir te chercher. Parce qu'on est en train de faire une... J'ai raccroché. Oh, c'est stupide. Stupide téléphone qui raccroche tout le temps. Ah non, ça a raccroché une fois, je sais pas pourquoi. Bon, je vais aller lui chercher Artung. Là, je suis caché dans les poubelles. Pouah, ça pue dans les toutes poubelles. Là, allez. Alors. Bon, il est pas là. Aïe. Alors les gars, écoutez-moi. On va creuser un trou là. Et on va mettre plein de choses. On va mettre du bois et on va essayer de faire avancer avec on va prendre une corde et faire avancer
et faire avancer comme ça. Mais ça serait dedans la terre. Oui, mais 80 jours. On les a fait les 80 jours. Il nous reste plus que 3 jours maintenant pour la finir. Mais si on l'a déjà fini, on la commence. Voilà. Bon, on retourne dans le trou. C'est qui qui a pété? C'est moi. Ah, le cul puna, quand même. Oui, il pue carrément. Mais quoi, j'ai le droit de le sortir. Hop. Bon, maintenant, comment on va faire? C'est vraiment coincé là. Bah, c'est ce que je te disais. Mais comment on va faire pour sortir? Je sais pas, on est coincé. Je pleure comme un gros bébé. Aïe, tu fais mal, Nakoz. Là, on est dans un tout petit trou. Et on est coincé. On peut plus aller en haut. Ouais, il faut fabriquer quelque chose. Et on peut pas respirer en dessous la terre. Ben c'est comme ça, mais si on s'enferme en dessous de la terre, on pourra sa pas savoir quel côté il faudra aller. On serait aveugle. D'accord, mais là on a une petite lampe qui est vers nous. On pourra voir tout ce qu'il y a. Allez, on y va? Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant. Maintenant, on a creusé des trous. Maintenant, il faut encore continuer. Ben, quand on va sortir, alors, ce serait 3 milliards de jours? Je crois pas. D'accord. Mais Nakos, tu te tais. Parce que là, on est en train de se concentrer à creuser un trou, là. On a creusé le trou. Oh, je peux presque plus respirer là. Ouais, on est en dessous la terre. Il devrait y avoir de l'air. Mais on a fermé la porte de la baraque. Et toutes les fenêtres aussi. Et aussi, on a aussi fermé les volets. On a aussi fermé. Quand on a creusé le trou, on a fermé avec. On a fermé avec un bloc. Comment on va faire, Sonic? On continue à creuser. Bon, et ben, il faut retourner ouvrir la porte. Mais non, c'est pas ça. Allez, on y va. On est sorti. Il y a la porte ouverte. Sonic, t'es là? Je suis coincé dans le trou. Comment on va faire? Attends, mais nous font là. Maintenant on est sorti, on est presque sorti de l'Allemagne. Maintenant on devrait partir en Espagne pour que ça soit pour que ça soit la fin. Mais surtout, je sais pas qui va aller
Je sais pas si on va encore se faire voir, mais il faut s'échapper encore un long chemin. Pourquoi? Parce que on se fait parfois tirer par des ouais. Mais en fait, ça ne me dérange pas qu'on fait une vidéo comme ça, hein. Une vidéo. D'accord. Mais attends une minute. On est où? Dans quel pays là? Je sais pas. Ouh. Mais oui, je sais, on est en Inde. Oh, on est en Inde? Déjà? Oui. Bah oui. À quoi ça sert? Mais on est en Inde. Oui, mais alors on pourrait aller en espagnol. Oui, mais c'est grave parce que 950 secondes pour y arriver en Espagne. Non, mais sérieux, ils sont choyés là. Mais comment on fait alors? On va sortir ou juste rester comme ça, rester pendant son temps et ne jamais rejoindre ne jamais rejoindre des prisonniers pour que ça se regarde pas. C'est bête ça. 950. Bah oui, parce que en France. En France, mais si on est en France et qu'on veut aller en Espagne de jusqu'à la France, ça prendrait au moins 6600 secondes. 6600 secondes! Tu m'étonnes. Ben oui, ben on a bien le droit de partir en vacances en 6600 secondes. Waouh, mais là, non, mais un de là, oui, moi je veux bien partir en France jusqu'à l'Inde. Si on partirait en Inde et qu'on habitait en France, ça va prendre 1 milliard de jours. 1 milliard de jours. Punaise, il faut aller en avion ou avec nos fesses. Mais tu es bête. On a déjà fait ça. On a déjà creusé un trou avec. Oui, mais tu sais, on vole quand on pète. Moi, je peux voler quand je pète. Oh, tu pues, hein. Tu pues carrément. Ben, qu'est-ce qu'on va faire alors? Si l'un de vous serait des prisonniers, on ne saura pas quoi faire, ok? Ben oui, ben, à quoi ça sert? Toi, tu veux faire la guerre contre la grande évasion? Non? Bon, moi, je vais aller jouer à Minecraft puisque il n'y a pas de garde, je vais aller jouer à ma Nintendo 2DS. Bon, on est encore dans la baraque. Voilà, c'est la folie, on ne sait pas quoi faire. Bon, en fait, là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment creuser un trou. Là, c'est énervant. On ne ressort plus. C'est juste, je suis tellement triste qu'on ne peut pas sortir de la baraque. Je veux qu'on. C'est bon, moi je suis content. On va se faire tirer sur. On va se faire tirer à la fin de la guerre. Là, c'est n'importe quoi. On est. Non, je supporte pas. Ben oui, mais. Ben oui, mais Sonic du Cam, là. On va essayer d'y arriver. On va jamais y arriver. On creuse plus de trous. Maintenant,
On reste dans la baraque. On a juste envie de se faire tirer. Moi, je veux juste. Non, mais les gars, nous trois, on va aller au frigo, hein. Là, je vais demander à lui. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, j'ai envie d'aller au frigo. D'accord. Les gars, Sonic a envie d'aller au frigo. Il prend celui-là. Non, c'est bon, les gars. Il va se faire tirer. Tant pis.